Les avez vus. Ces images hier ont fait le tour des réseaux sociaux. L'eau qui envahit la maison de Chaïma à Magicavokoropa. Encore sonnée ce matin, elle fait avec nous le tour de sa maison pour nous montrer les dégâts et pense que la menace est toujours là. Il y a eu des travaux récemment qui servaient à rehausser la chaussée, parce qu'il y a un petit rivière qui passe et quand il y a de la pluie, quand il y a des fortes pluies, le niveau de l'eau est tellement élevé que l'eau commence à déborder de tous les sens. La mère de famille met en cause les travaux de réaménagement, selon elle, mal calibrés, mais aussi les caniveaux non curés. À Kaweni, ces deux boutiques ouvertes il y a moins d'un mois essuient elles aussi les conséquences des intempéries, car elles ont été construites en contrebas de la route. Le propriétaire des locaux n'a jamais vu ça en 50 ans. Toutes ces maisons en tôle et ceux qui ont été construits d'abord aussi normalement, en hauteur, on n'a pas besoin de lunettes pour voir ça, toutes ces maisons-là, nous apporte son eau ici. Peut-être il y a aussi sûrement tous les déchets là qui viennent un peu, qui viennent aussi boucher pour renforcer. Donc c'est normal qu'on ait une vague, une très grosse vague d'eau qui vienne de là-haut et qui nous envahit. À chaque saison des pluies, son lot d'incidents et de sinistres, que ce soit à Mamoudzou ou Kungu, l'aménagement urbain montre une nouvelle fois ses limites.